Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, Monsieur le Secrétaire général parlementaire, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, Mesdames et Messieurs les Présidents des commissions et des réseaux, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires et secrétaires administratifs, chers amis francophones d'Afrique, d'Europe, des Amériques, d'Asie et du Pacifique, une salutation particulière à l'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna que notre session vient de consacrer pour être admis à notre Assemblée. Quel honneur de me retrouver face à vous pour prononcer cette motion de remerciement à laquelle j'associe l'ensemble de mes collègues élus de l'Assemblée de Polynésie et en particulier les femmes élues qui sont à mes côtés en ce moment. Qui croirait qu'en ce moment solennel, des océans nous séparent et que l'aurore des uns se confond au crépuscule des autres. C'est sans doute cela le miracle de la francophonie, celui de dépasser les frontières géographiques et temporelles au profit des valeurs universelles. Permettez-moi désormais qu'avec gratitude et humilité, je prononce cette motion. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, réunie en ligne depuis les quatre régions de notre espace et les cinq continents, le 28 et 29 janvier 2021, à l'invitation du secrétariat général, se félicite de la bonne organisation et de l'excellent déroulement de nos travaux. Remercie le président de l'APF, le secrétaire général parlementaire, tous les parlementaires, l'ensemble des participants et des intervenants pour avoir contribué à leur adaptation rapide et leur flexibilité à la réussite dans un format compressé, inédit, d'une réunion de cette ampleur. Exprime au secrétariat général de l'APF dans son ensemble et sa diversité de compétences, la reconnaissance du monde parlementaire francophone pour son engagement exemplaire en faveur de la francophonie. Et enfin, souhaite que les prochaines réunions, notamment le bureau de propriété, nous permettent de renouer avec nos traditions d'accueil, de solidarité et de partage. Mes chers collègues, comme vous le voyez derrière moi, la Polynésie, ici illustrée par la perle du Pacifique, Bora Bora, vous ouvre les bras. C'est avec honneur, fierté et hospitalité que nous vous accueillerons dans ce vaste et lointain territoire francophone dans les prochains mois pour poursuivre ensemble nos travaux et nos actions au service des valeurs de la francophonie. Quoi qu'il arrive, j'ai la certitude que, comme toujours, l'Assemblée parlementaire de la francophonie sera au rendez-vous des défis qui s'imposent à elle. Merci pour votre bienveillante attention et à très bientôt.